Salut, salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto carte pack. On va faire une carte sur pack aujourd'hui. Du coup, pour ça, j'ai pris les dice de sélection. Donc, ceux-là avec la route, là. Donc, elle est coupée, elle est ici. Voilà. Et j'ai coupé le dice herbe ici. Voilà. Ça. Et du coup, j'ai pas eu besoin de couper une vague parce que j'en ai une avec la route. Donc, je l'ai conservée pour faire mon dégradé. Ensuite, j'ai pris ce dice aussi, mais j'ai pris uniquement le rectangle qui me suffit amplement. J'ai pas besoin du reste à l'intérieur. Encore qu'on aurait pu faire à l'intérieur, ça aurait été joli aussi. Oui, off, on va laisser comme ça. Ça me va pour le moment. Et puis, si vraiment ça machin, je viendrai coller un truc en plus. Donc, je vais prendre le négatif, comme ceci que je vais mettre là. Et j'ai commencé à faire mon dégradé de vert. Hein. Donc, on va passer par le plus clair devant, le plus foncé derrière, je ne sais pas. On va faire ça. On va faire ça, on va faire le clair. Alors, on va prendre le manchon vert. Et du coup, sur mon brouillon... Vous tenez bien votre négatif, enfin votre découpe, de façon voilà. Vous voyez? Alors là, il y a du vert, mais en fait, je vais venir coller la route là. Donc ça se verra pas. Vous voyez, ça va bien camoufler. Peut-être faire du foncé à partir d'ici. Oupsie. Décidément, j'ai vraiment pas de bol moi avec mes pads qui arrêtent pas de voler là. Donc ça avec l'encre action, vous voyez, ça fonctionne plutôt bien. Il n'y a pas besoin d'avoir des pads super chers ou peu importe quoi, mais l'encre action fait très bien le job. Je veux dire, il n'y a aucun souci. Voilà. Moi j'aime bien, je vais laisser comme ça. Voilà, moi j'aime bien, je laisse comme ça. Ensuite, on va prendre ça et on va faire le dégradé bleu. Après, j'aurais pu faire directement des coupes et venir le coller. Vous savez, découper du papier bleu, vert et tout ça. Mais finalement, moi, j'aime bien comme ça aussi. J'aime bien faire mes dégradés de couleurs, même si je suis pas une pro. Hein. Je fais tant bien que mal mes petits dégradés, pépouze, tranquille ou bidou. Après, je suis pas une pro, donc pour ça, il faut aller voir les filles qui sont très très douées. Il y en a plein sur YouTube. Moi, pour le coup, je le fais comme ça vient. Pour bien faire, en fait, il faudrait après faire du clair et remonter vers le foncé. Je pense que ce serait peut-être mieux.
Voilà. Alors, je sais pas si c'est bon capuchon. Ça n'a pas l'air, mais c'est pas gênant puisque c'est mes ongles qui restent sur mon bureau, celle-là. Alors, ma route, elle est là. Et je vais venir coller ça ici. Couchou. Voilà, ça va être pas mal. On va prendre l'herbe. L'herbe, la colle. Waouh! C'est chaud. Et attendez, elle m'a prescrit un nouveau médoc, ma neuro. Et apparemment, ça fait perdre la mémoire. Ça fait grossir. Bon, grossir, ça va, j'ai un peu de marge. Un peu. Hein. Mais moi, ce qui me fait flipper, c'est les pertes de mémoire et être incohérente, quoi. Je veux dire, comment vous voulez travailler dans ces conditions? Ça va juste pas être possible. Oh, flûte cacahuète. Voilà. Voilà. J'ai, du coup, dans ces tampons-ci, là, vous voyez, c'est des tampons pack que j'ai eu chez Globeland il y a déjà un moment. Et j'ai colorisé, enfin j'ai tamponné ce tampon avec le lapin. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Celui-ci avec le paquet cadeau. Par contre, j'ai enlevé les paquets cadeaux. Moi, ça ne me plaisait pas. Je les ai enlevés. Du coup, on va venir coller les voitures couche-chi. Comme ça, une ici et une ici. Voilà, couche. Celle-ci, on va peut-être l'avancer un chouïa et celle-ci, on va la mettre ici. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Alors, est-ce qu'on colle ou est-ce que je mets de la mousse? Non, je colle. Je colle tout. Donc j'ai colorisé, je vous ai passé ça, j'ai fait hors caméra. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo colorisation, même si ça c'est pareil, je ne suis pas la pro. Il y a des filles qui sont plus douées que moi pour ça. Si vous voulez quand même que je vous fasse une vidéo sur la colorisation, dites-le moi. Je me ferai un plaisir de vous la faire. Là, pour les coups, je me suis plutôt bien débrouillé sur mes petites bagnoles et mes petites lapines, puisqu'elles ont un nœud dans les cheveux, ben dans les oreilles. Donc, je présume que ce sont des filles. Hop. Voilà. Je trouve ça plutôt sympa pour le moment. Alors, ensuite, on va prendre ce dice-ci. Mais par contre, on va prendre juste un tout petit dice qu'il y a dedans qui m'interpelle. Je ne peux pas avoir vu ça. Voilà, c'est ça que je veux. Alors, normalement, ce sont des arbres. Le haut de l'arbre. Nous, on va faire des nuages. Parce que c'est pas la peine que ce soit beaucoup plus grand, sinon ça va faire moche. Enfin, ça va faire moche. Ce sera pas cohérent. L'échelle. Bon, déjà là, c'est un peu compliqué au niveau de l'échelle, mais bon, on se débrouille comme on peut. Hein. Hop, on va couper du coup des nuages. Ça va me faire mes nuages en fait. Donc là, c'est l'arbre. Hein. C'est le dice pour faire l'arbre. Mais nous, on va faire le nuage. Alors, je finis de couper, du coup, ma page 30-30 blanche, là. Enfin, ma demi. Que j'aurais peut-être pas utilisé pour faire autre chose. Donc, du coup, je m'en sers en découpe. En plus, c'est bien épais, donc c'est cool. Je vais recouper encore une fois. Celui-là, on va le mettre ici. Celui-là, on va le mettre ici. Vous voyez, ça fait totalement les nuages. Il n'y a pas besoin de plus gros, quoi.
sinon ça va durer. Voilà, voilà, et on va recouper encore une fois. Voilà, je le jette, je les jette, parce que du coup, moi, je m'en servirai certainement pas comme arbre, mais comme nuage, c'est plutôt sympa, j'ai envie de dire. De savoir détourner vos dies pour faire autre chose avec, vous en porterez que mieux. Ça là, on va mettre de la mousse 3D sous les nuages. Où c'est que j'ai mis? Elle est là. Et après, on fera un tampon joyeuse pack sur la carte, peut-être directement. Ce sera plutôt joli que ce soit directement sur la carte et pas sur une étiquette à part. Donc. Oh, cacahuète. On va en coller des petits. Ça fait une mousse 3D sur 1 sur 2 en fait. Celui-là, je vais le faire un tout petit parce que le nuage il est ridicule. Je cherche ma pince à épiler depuis tout à l'heure, mais je sais pas ce que j'en ai foutu. Il est resté sur le ciseau, j'en ai fait quoi? Ta mousse. Oh. Hop. Je l'ai recollé à l'envers. Voilà. Je suis bien, je suis dans le thème en ce moment. Et en ce moment, voilà, ce nuage-là, je le mets pas. Il est de trop. C'est pas la peine. Ensuite, on va faire un joyeux pack. Donc moi, j'ai un joyeux pack Stampin' Up. Donc vous m'excuserez, mais je vais l'utiliser. Il y a un autre truc que je vais utiliser. Il y a un autre truc que je vais vraiment utiliser. Alors du coup,
je vais prendre une plaque acrylique. Hop, on va mettre de l'archival. On va essayer de pas faire de bêtises. Et on va venir le mettre ici. Voilà. Ensuite, je vais prendre j'ai trempé ma chamois parce qu'elle commence à être hyper sèche. Du coup, ça nettoie plus grand chose. Il y a un autre truc que je me suis jamais servi et on va s'en servir maintenant. Du coup, c'est là. Faut que je les fasse tous mes tampons Stampin' Up prêts à utiliser quoi. Parce que du coup à chaque fois je refais mes tampons devant vous et c'est pas forcément. Ils étaient mignons aussi ce lapin, mais bon. Alors j'ai essayé de faire le tri dans mes tampons Stampin' Up, mais pour être honnête, j'y arrive pas, donc je garde tout. Je garde tout, même les fleurs, tout. Je n'arrive pas à m'en séparer. C'est vraiment mes coups de cœur et du coup, c'est le genre de c'est le genre de tampon que je pourrais pas me séparer. Donc là, on va tamponner en vert foncé. Ça donne tout de suite un petit. En plus, voilà, ça c'est bon. C'est pareil, les pattes de d'encre de chez Action, ça fait un moment que je les ai. Et ben, ils tiennent bien le choc. Hein. Ils tiennent bien le choc. Hop. Ensuite, on va le mettre sur un fond noir. Comme ceci. Ma colle. Après, pour le tampon lapin, vous faites avec ce que vous avez à la maison. Moi, j'ai pris des tampons que j'ai aussi à la maison parce que du coup, en pack, ben, j'ai pas de, il n'y a pas. J'ai jamais trouvé de tampon pack chez Action par exemple. À moins que je me trompe, mais jusqu'à preuve du contraire, pour le moment, j'ai jamais trouvé de. J'ai trouvé avec mon pull. C'est pas bien. Du coup, j'ai jamais trouvé de tampon pack jusqu'à présent chez Action. Peut-être que je me trompe, mais on a eu Noël, on a eu tout ça, mais papa, quoi, ça me dit rien. Donc, je pense pas, hein. Dites-moi si je me trompe, mais je ne pense pas me tromper. Alors, on va laisser un petit bord noir. Ici, ça on garde pour faire les étiquettes. Alors, soit vous faites une carte qui s'ouvre, soit vous laissez comme ça. Moi, pour le coup, je l'ai laissé comme ça. Derrière, je vais mettre ce qu'il faut faire, c'est rajouter de la colle. J'ai un ascenseur. Waouh, un nuage qui se fait la manne. Du coup, je vais rajouter une feuille blanche derrière pour pouvoir écrire en fait. Et vous avez vu une jolie carte de pack avec les tampons Action.
La seule chose que vous, vous devez adapter chez vous, c'est le sentiment. Parce que si vous n'avez pas de joyeuse Pâques en français, adaptez avec un sentiment en anglais, c'est pas très grave. Et les petits lapins, ben, vous vous remplacez par autre chose. Mais moi, je trouve ça plutôt sympa et je préfère comme ça, donc avec de l'encre, plutôt que de, comment dire, plutôt que de mettre une superposition de papier finalement. Je trouve ça le rendu plutôt joli. Là, je pourrais rajouter un truc. J'ai des ballons, j'ai tout ça, je pourrais les rajouter. Mais je trouve que, ben, en fait, elle se suffit à elle-même, cette carte. Il n'y a pas besoin de plus. J'ai l'impression que ma colle gondole et ça va vite m'énerver en fait. Il va falloir que je retrouve de la colle autrement. Il va falloir que je recommande, c'est de la Taki. De la Taki Glue. Bon, enfin bref. Du coup, moi j'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis plutôt fan. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous voulez que je vous fasse une session colorisation, je reprendrai la voiture là pour vous montrer. Parce que ben, du coup, je suis à l'aise. Je suis plutôt à l'aise avec ces couleurs-là. Et puis voilà, donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse ça. Et puis c'est tout quoi. Bon bah écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Allez, bye bye.